Dieu. Quel privilège, quelle bénédiction. Et nous voilà encore, tu nous as ramenés ici, Seigneur. Et en ce moment, nous voulons nous approcher de toi, venir devant ton trône avec assurance. Parce qu'on sait, on croit que tu es là, que tu nous écoutes, que tu nous entends, que tu nous assistes. Gloire à ton nom, Père. Quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir Jésus-Christ, notre avocat, celui qui intercède pour nous aussi, notre avocat qui plaide pour nous. Merci Jésus. Merci parce que toi, papa, quand tu me regardes, tu vois ton fils. Parce que le sang de Jésus nous couvre. Et tu ne nous vois plus tel que nous sommes, papa. Et tu vois ton fils Jésus-Christ. Quel privilège. Quelle bénédiction, quelle grâce nous avons. Nous sommes tes enfants. Et nous voici devant toi. Nous voulons célébrer ton nom parce que tu es merveilleux. Nous voulons exalter ton nom. Le plus beau nom, toi notre Créateur, notre Rédempteur, nous voulons élever ton nom parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es grand. Tu es si grand. Et nous tous, ta même foi, d'un même cœur, Seigneur, d'une même bouche, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons nous approcher de toi avec sincérité. Et qu'aucune fausseté ne reste. Mais nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, en toute vérité et en esprit tel que tu nous le demandes, Seigneur. Nous voici, Père. Nous voici, Jésus. Par ton Esprit Saint qui habite en nous, nous voici et nous nous approchons de toi avec joie. Alléluia. Nous voici et nous nous approchons de toi avec joie, Seigneur. Alléluia. Pour célébrer ton nom. Alléluia. Je t'exalterai. Élève ta voix, élève ton cœur, élève ton âme et dis à l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai aujourd'hui, demain, pour toujours, je t'exalterai, Seigneur.
nous regarde, que Jésus est en nous. C'est nous qui oublions quand tout va bien, quand on est en bonne santé, quand il n'y a pas de problème, on oublie Jésus. Il faut remercier tout le temps Jésus, chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe. Amen. Alléluia. On va chanter une chanson vraiment puissante. Bon, toutes les chansons de Jésus sont tous puissantes. Mais cette chanson-là, c'est quelle école qu'on va faire aujourd'hui ? La guérison. La guérison. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va proclamer. C'est pas seulement la guérison, mais on va proclamer tout ce qui est problème, tout ce qui est venu du diable dans notre vie. On va proclamer que tout va briser dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a rien, il n'y a pas plus que le nom de Jésus qui est puissant. Il n'y a rien. Même si on pense tout simplement le nom de Jésus, où qu'on passe, où qu'on fasse, où qu'on soit, juste le nom de Jésus dans notre tête, tout se passe bien. N'est-ce pas? Amen. On va chanter Break Every Chain en anglais, mais en français c'est la puissance de Jésus. Voilà, le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia. Brisez les chaînes.
chaînes tombent. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es déjà en train de faire dans ce lieu, pour ta puissance qui opère dans nos vies, en cet instant même. Merci, Seigneur, pour les chaînes qui sont brisées. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour la liberté que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que Satan, les chaînes du diable, ne peuvent plus nous enchaîner aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour la délivrance que tu es en train d'opérer. Merci, Saint-Esprit, toi qui nous donnes la vraie liberté, Saint-Esprit. Agis en ce lieu, Seigneur. Élève-nous à être une armée puissante, Seigneur Jésus-Christ. Élève cette assemblée à être ton armée qui va briser les chaînes dans cette nation, Seigneur. Seigneur, tel que quand tu as envoyé ton serviteur dans le vallée de l'ombre de la mort, nous sommes comme ces cadavres, Seigneur, dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton Esprit Saint souffle sur nous. Ô Saint-Esprit, souffle sur nous et élève-nous, Seigneur, de la mort à être ton armée, ô Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui est mort dans notre vie se relève et prenne vie, Seigneur. Parce que tu es le maître de la vie, tu es même la vie, tu es le Dieu de la résurrection. Que la puissance, Seigneur, de ta résurrection agit en ce lieu maintenant. Ô Saint-Esprit, ne permets pas qu'il y ait des choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur, en ce lieu, dans cet instant, dans ce culte. Agis, Saint-Esprit, comme tu le veux. Agis à travers la bouche de tes serviteurs. Agis dans le cœur de chacun des personnes ici présentes. Agis, Seigneur, dans le cœur des personnes qui nous suivent, Seigneur, à la télé. Ô Saint-Esprit, merci pour ta puissance. Dans ce lieu, ô Saint-Esprit, relève notre âme, Seigneur. Restaure notre âme, Seigneur. Console les âmes. Guéris les malades aujourd'hui, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Merci parce que nous sommes au bon endroit aujourd'hui. Merci parce que tu vas faire quelque chose aujourd'hui. Merci parce que nous serons différents quand nous allons sortir de ce lieu aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que les chaînes sont brisées et tous les esprits impurs qui étaient derrière ces chaînes aujourd'hui sont vaincus. Ces esprits impurs n'ont plus de puissance dans notre cœur, dans notre vie aujourd'hui. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle aujourd'hui. Prends le contrôle, prends la domination, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, visite les cœurs ici présents. Que nous puissions ressentir ta présence. Que nous puissions ressentir ta puissance, Seigneur. Révèle-toi à chacun de tes enfants aujourd'hui que tu es réel. Ô Seigneur, aide-nous à discerner la réalité de ta personne dans ce lieu et en nous. Ô Saint-Esprit, révèle-nous que nous ne sommes pas dans une religion aujourd'hui. Nous ne sommes pas de simples religions. Nous sommes aujourd'hui invités par le Dieu vivant. Nous sommes dans la présence du Dieu créateur. Ô Seigneur, ô Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en ce moment même. Mon chéquier est mort, mon chéquier est mort, mon chéquier est mort. Mon chéquier est mort, mon chéquier est mort, mon chéquier est mort, mon chéquier est mort, mon chéquier est mort. Parle en langue. Le Saint-Esprit est en mouvement en ce moment même. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit, il est là. Il nous fait savoir qu'il est là. Il est en train de te toucher là. Oh, il est en train de te toucher. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas accomplir aujourd'hui, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur Dieu. Pénètre les cœurs les plus durs, Seigneur, par ta puissance. Oh Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans la présence de Dieu. Tiens ton voisin, sois le bienvenu.
Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Josué. Josué chapitre 23, verset 11. Josué chapitre 23, verset 11. Dans le nom de Jésus. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit de veiller attentivement sur l'état de notre âme. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'école de la guérison. La plupart du temps, quand on entend guérison, on se précipite tout de suite à se dire que Dieu va guérir notre corps. Mais en vérité, la source de toutes les maladies vient toujours d'une maladie dans notre âme. Même les scientifiques le disent que 80% des maladies sont à cause des maladies de l'âme. C'est une maladie psychologique, c'est une maladie mentale. Vous savez, si une personne refuse de pardonner, c'est très normal qu'elle a la maladie du cœur après. Si une personne est tout le temps énervée dans son âme, c'est normal qu'il ait de la tension après. Si l'âme d'une personne n'a pas la paix, c'est très facile pour le diable. C'est une âme malade, ça ouvre une porte à la maladie du corps. Donc, aujourd'hui, Josué dit que nous avons la responsabilité de prendre soin de notre âme. Dis à ton voisin, prends-tu soin de ton âme? Nous avons tous une maison. Je pense qu'on n'est pas des squatteurs. Je pense que dans vos maisons, vous prenez soin de vos maisons. Vous nettoyez vos maisons tous les jours, vous les décorez. Parfois, on passe toute une journée à s'en occuper. Mais aujourd'hui, j'aimerais te demander, comment t'occupes-tu de ton âme? Dis à ton voisin, comment t'occupes-tu de ton âme? Vous savez, il y avait l'histoire d'un homme riche dans la Bible que Jésus a raconté. Cet homme s'est dit, je vais amasser beaucoup d'argent. Et il s'est dit, quand il a atteint son objectif de richesse, il a dit, j'ai assez d'argent maintenant, j'ai assez de biens, j'ai assez de maisons, j'ai assez de voitures, mon âme, tu peux te reposer. Et Jésus a dit, insensé, aujourd'hui même, tu vas mourir, où ira ton âme? Sache que ton âme ne se repose pas sur ta maison. Ton âme ne se repose pas sur les choses que tu accumules sur terre. Ton âme a besoin de repos en Dieu. Et Josué dit que si on ne prend pas soin de notre âme, on risque de se détourner de Dieu. Dieu n'a pas de problème pour que tu sois béni. Mais Josué avait dit, si on ne prend pas soin de notre âme, même si on est né de nouveau, même si on va à l'église, même si on chante à la chorale, même si tu écoutes des chansons évangéliques dans ta voiture, oui. Mais si toutes ces choses ne servent pas à prendre soin de ton âme, Josué a dit, tu risques de te détourner de l'amour de Dieu. Et tant qu'on est sur terre, nous devons prendre soin de notre âme. Parce que parfois, il y a tellement de chrétiens qui prennent soin de sa vie extérieure plus que de leur âme. Nous vivons dans une société où toute la semaine, on travaille presque 8 heures par jour. Même nos enfants, 8 heures par jour, ils sont à l'école. Salomon avait dit même, les hommes sont occupés sur terre. La plupart du temps, nous sommes occupés par les choses terrestres. Et si nous ne prenons pas conscience de l'importance de notre âme, tu peux parler en langue, tu peux être chrétien depuis des années, mais tu peux avoir une âme malade. Une âme malade, c'est une âme qui n'est plus conduite dans l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu va prendre soin de ton âme. Aujourd'hui, Dieu va guérir ton âme. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 9, verset 12, au nom de Jésus. Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Dis à la personne à côté de toi, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il est ton médecin. Il est ton médecin. Amen. Tu vas sûrement me dire, moi je suis en bonne santé, je suis pas malade. Mais Jésus n'est pas seulement le médecin de notre corps, mais aussi le médecin de notre âme. Et il est aussi le médecin de notre esprit. Vous savez, on peut être né de nouveau, mais quand notre âme est mal entretenue, le fait que nous ne prenons pas soin de notre âme, parce que l'âme est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Le corps ne fait que suivre l'âme. Et l'âme, si elle n'est pas soumise à notre esprit, nous risquons de souiller notre esprit à cause de la souillure de notre âme. Donc, si nous ne prenons pas le temps de prendre soin de notre âme, c'est pour ça que dans ce ministère, on insiste beaucoup sur notre âme. On se réveille à 2h50 pour que tu prennes l'habitude de prendre soin de ton âme. Parce que toute la journée, tu ne prends soin que de ton argent, tu vas travailler pour que tu reçois à la fin du mois. On est en fin du mois, sûrement beaucoup sont contents là parce qu'ils ont reçu leur... Mais moi, j'aimerais te dire que comment tu entretiens ton âme? Parce que Dieu dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, sache que tant que tu es sur terre, ton âme risque toujours de se perdre si tu ne le prends pas soin, si tu ne viens pas vers le médecin de ton âme qui est Jésus. Et aujourd'hui, Jésus est notre médecin. Les gens du monde, dans le monde naturel, ont tous un médecin qu'on appelle le médecin traitant. Tout le monde sait ce que c'est un médecin traitant. Je pense qu'en France, on le sait, c'est quoi un médecin traitant. Quand un patient vient chez le médecin, quand il vient chez le médecin, il sait tout de suite que le médecin a la capacité de lui procurer le traitement qui correspond à ses maux. Quand un patient vient chez le médecin, c'est pas le patient qui va dire au médecin, non, c'est ça que je dois prendre, médecin. Non, c'est ça que tu vas donner comme médecin. Non, je ne veux pas prendre ça. Toi, quand tu viens à l'école de guérison, Jésus, le médecin ici, quand tu viens chez le médecin, tu te laisses faire. Le médecin dit, allonge-toi là, enlève tes vêtements. Aujourd'hui, ne cache pas ton cœur à ton médecin. Aujourd'hui, déshabille ton âme. Oui, tu peux te cacher du pasteur, du frère et soeur. Mais tu ne peux pas te cacher de ton médecin spirituel. Aujourd'hui, Jésus dit, allonge-toi là. Mets-toi à découvert devant ton Dieu. Laisse-moi t'ausculter. Oui, parfois on ne veut pas que Dieu nous ausculte parce qu'il y a des petits péchés là. Parfois on n'a pas envie, non. On reçoit là les paroles. Non, je crois que je ne vais pas lire à 2h50 aujourd'hui. Mais si tu veux que ton âme soit en bonne santé, mets-toi à nu devant ton médecin aujourd'hui. Personne ne se dit, ah non médecin, j'ai honte de toi. Même si c'est un homme, une femme, quelqu'un. Non, je ne veux pas me désabonner. Mais tu viens chez le médecin parce que tu veux être guéri, oui ou non? Bien plus que ces patients qui viennent voir le médecin naturel, tu devrais avoir une envie d'être guéri dans ton âme. Oui, les gens. Il y a tellement de chrétiens qui sont encore malades dans leur âme. Toujours, qui refusent d'être consolés par le Saint-Esprit. Qui sont toujours là pour bouder. Non, je suis fâchée contre mon frère, je suis fâchée contre ma soeur, je suis fâchée contre le pasteur, je ne vais plus venir. C'est les maladies de l'âme, ça les gens. Et sache que Josué dit, si tu ne prends pas soin de ton âme, tu risques de te détourner de Dieu. Oui, et si tu ne prends pas soin de ton âme, si le Saint-Esprit ne domine pas ton âme, les mauvais esprits vont te séduire et te manipuler, te tromper. Tu vas toujours être. Tu vas te justifier. Oui, mais le docteur te dit déjà non. C'est le sucre là ton problème. Oui, mais j'aime trop le sucre. Je continue à boire le coca. Non, je ne vais pas voir le médecin chrétien parce que je sais ce qu'il va me dire. Il va dire arrête avec le sucre. Il y a des chrétiens qui sont malades comme ça. Ils sont malades, mais ils ne veulent pas aller voir le médecin. Ou sinon, ils veulent voir le médecin. Ils sont en train de revendiquer le traitement que le médecin lui demande de prendre. Aujourd'hui, le médecin te dit, allonge-toi, déshabille-toi et laisse-toi faire. Amen. Et quand tu viens chez le médecin, il va faire un bilan sur ton état. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens.
au lieu de laisser Dieu faire un bilan. Non, je vais bien. Non, ça va. Non, pasteur, laisse-moi tranquille, mon frère. Non, je suis bien. Moi, Mirico. Oui, on est déjà tous passés par là. Hein. Moi aussi, j'étais comme ça. Hein. Donc, du Saint-Esprit, je ne veux pas que Satan pénètre mon âme. Et je ne veux pas non plus qu'il trouve ouverture pour pénétrer mon corps parce qu'il est un voleur. Et en fait, la porte d'entrée du voleur, c'est toujours notre âme. Quand tu es bien dans ton âme, tu es en bonne santé dans ton corps. Et quand tu es bien avec Dieu dans ton âme, ta vie ne peut que rouler. Mais dans la tempête, tu traverses la vallée de la mort, tu ne crains rien. Ça, c'est une âme qui a accepté d'être guérie par Jésus, le médecin. Quand tu viens chez le médecin, il a dit, ah, ton problème, c'est ça. On a fait un bilan sanguin, on voit un peu le taux de cholestérol, ah, le taux de sucre, hein? Et le pire parfois, c'est quand on te détecte le cancer. Il y a aussi des cancers de l'âme. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces maladies? C'est la mort. Et si tu ne refuses pas d'être soigné, tu risques de mourir. Et le pire de la mort, c'est pas de mourir dans son corps, c'est mourir dans son âme. C'est ça que Jésus a dit, tu peux perdre ton âme. Et Josué a dit, veille sur ton âme. C'est quoi veiller sur ton âme? Tu dois consulter le médecin traitant ton âme tous les jours, en tout temps. Et tu dois te laisser faire. Et le médecin te dit aujourd'hui, bon voilà, j'ai fait un diagnostic de ce qui ne va pas en toi. Bon, je vais prescrire. Comment ça s'appelle déjà le papier là où... L'ordonnance. Aujourd'hui, quand tu vas sortir de l'école de guérison, il y aura un papier que Dieu va te donner. C'est l'ordonnance de ton âme. Qu'est-ce qu'il y a sur l'ordonnance? Il y a les différents médicaments que tu dois prendre. Quels sont les médicaments que tu dois prendre? Dis à ton voisin la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Amen. Parfois, ce n'est pas les médicaments que le médecin utilise parce que parfois, tu es venu un peu tard, il a dit, tu as besoin de piqûres. Oui. Parfois, la parole pique à ton âme. Hein? C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. Il y a des enfants qui disent, ah non, non, papa, j'ai peur, ça fait mal. Mais en tant que bon parent, je sais que c'est bien pour lui. Oui, tu auras mal à un instant, mais ça va te faire du bien. Amen. Donc, ne fuis plus les piqûres, les gens. C'est pour que tu sois guéri. Par exemple, il y a la piqûre contre la grippe. Tu saches que dans le monde, il y a la grippe spirituelle qui n'attend qu'à t'atteindre ton âme. Mais toi, non, je n'ai pas envie d'avoir mal un instant à l'école. Je ne vais pas y aller. Ah non, je suis sûre encore qu'il y aura la piqûre qui va sortir de la bouche du serviteur de Dieu. Oui, oui, tu vas te promener dans le monde. Mais il y aura la grippe spirituelle qui va t'atteindre. Et tu vas aller où comme ça? Oui, tu peux être piqué. Parfois, il y a des médicaments qui sont gros comme ça. Par exemple, mon mari, lui, heureusement que nous, on est déjà enfants de Dieu. On n'a pas besoin des médicaments du monde. Lui. Mais lui, il ne supporte pas les pilules gros comme ça, là. Vous savez? Il y avait un jour, il était malade, il était obligé de prendre. Mais je ne vous dis pas comment était son état en voyant juste la pilule, là. Il dit, mais comment? Il tournait en rond. Mais comment je vais prendre ça? Je lui dis, il y a du jus, là. Il y a de l'eau. Hein. Oui, mais c'est trop gros. Il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi. Parfois, la parole de Dieu, ça a du mal à la passer. Mais l'Esprit Saint, c'est l'eau qui va t'aider à digérer ça. Amen. Alléluia. Donc, ne te donne plus d'excuses. Dieu fait tout pour que le médicament soit avalé. Si tu n'avales pas, tu ne seras pas guéri. Et tu seras toujours des chrétiens, mauvaise humeur. Les autres sont un problème. J'en ai marre de celui-là. Il m'embête. Je ne le supporte pas. Ça, ce sont des âmes malades, les gens. Paul, c'est quelqu'un qui a été restauré à son âme. Il a dit, moi, je supporte tout le monde. Je supporte l'énervé. Tu vois les schtroumpfs là, ils ont tous leur personnalité. Paul, il a supporté tous les schtroumpfs. Moi, j'encourage les gens là qui sont leaders ici. Ouais. Les représentants des cellules là. Courage les gens. Je suis passée par là. Mais une âme restaurée, c'est une âme qui ne dit pas que c'est toujours les autres à faute.
quand tu viens chez le médecin s'en fout, tu ne vas pas lui dire c'est à cause de mon mari que j'ai la tension. Mais il va te dire, ménage-toi. Hein? C'est ce que le médecin dit. Il ne va pas te dire, divorce de ta femme alors. Divorce de ton mari. Bon, donne tes enfants à l'orphelinat. Hein? Il ne va pas dire ça. Il a dit, ménage-toi mon ami. Et parfois, quand ces garçons se plaignent tellement, ils leur donnent l'antidépresseur. Mais moi, je te dis qu'un antidépresseur en ton âme, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi tu es toujours avec quelqu'un qui est brisé? Parce que ton âme ne se laisse pas faire par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, il y a peut-être la parole qui va piquer. C'est un instant. Tiens, à côté de toi, ça dure un instant la piqûre. On met un petit sparadrap. On te pique un peu, on met un petit sparadrap. Des fois, quand moi j'emmène mes enfants pour faire la piqûre, le docteur dit « Ah, achète un peu la doliprane pour apaiser la douleur. » Moi, je te dis, le Saint-Esprit est là pour apaiser la douleur. Mais si tu le laisses faire, laisse le produit qui est dans la piqûre t'agir. Tu seras immunisé des grincheux, tu seras immunisé des méchants, tu seras immunisé de beaucoup de choses. Non seulement de la maladie de l'âme, mais aussi immunisé de la maladie du corps. Amen. Dis à la personne à côté de toi, c'est Amen ou pas Amen ça? Amen. Il y a aussi des médicaments sous forme de poudre. Amen. Tu mélanges avec un peu du jus, mais tu dois toujours l'avaler. Donc la parole de Dieu, c'est qu'importe comment elle va se présenter aujourd'hui, qu'importe. En forme de poudre, peut-être piqûre, ça dépend de l'état de ton âme aujourd'hui, comment ça va se passer. Si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de bilan, peut-être que les virus ont pris de la force en toi, je pense qu'on va te piquer un peu, mais ça va te faire du bien. Il y a aussi, parfois peut-être que tu n'es pas vraiment malade, mais tu manques un peu d'énergie. Le médecin dit, ah, il faut juste un peu de magnésium, un peu de vitamine. Ça, c'est les paroles d'encouragement. Ça, c'est les paroles de consolation. Mais ce que tu dois faire, c'est qu'une fois que tu sors d'ici et que tu as eu ton ordonnance, tu dois prendre les médicaments. Tu dois suivre à la lettre le traitement. Dis encore à ton voisin, Amen ou pas Amen. Amen. Et le Saint-Esprit nous emmène un peu à rigoler. Pour nous aider à digérer tout ça. Vous avez, ceux qui ont des enfants sûrement savent ça. Par exemple, quand on va piquer notre enfant chez le pédiatre, ah, parlez-lui, on fait un peu rigoler l'enfant pour qu'il oublie qu'il a piqué. Pendant que tu rigoles là, le Saint-Esprit va piquer un peu. Ça va faciliter la chose. Mais surtout, ne viens pas chez le médecin pour lui dire, bon, voilà le traitement. Et puis il va dire, il va d'abord regarder le truc. Non, docteur, ça. Ça ne va pas. Mais le docteur dit, c'est toi qui as fait les études ou moi? Pourquoi tu es venu chez moi? C'est après pour revendiquer ce que je te dis de faire. Donc si tu viens ici, ne revendique pas la parole de Dieu. Si tu viens ici, tu dis, oui docteur, ok, je vais suivre à la lettre le traitement parce que je vais être en bonne santé dans mon âme. Amen. Aujourd'hui, donc, Jésus te demande juste de prendre sa parole. Dans toutes ses formes, prends la parole de Dieu. Amen. Pour traiter tout ce qui ne va pas en nous. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Pierre avait compris que la guérison est en Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés. C'est pour ça que je vous dis que la source de toute maladie qui existe sur terre, en fait, c'est à cause de l'âme, de l'homme qui a péché. Mais Jésus a dit, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu peux jouir de la santé divine quand ton âme mange la parole de Dieu, quand ton âme se laisse faire par la parole de Dieu, quand ton âme se laisse être
conduit par le Saint-Esprit. Et il y a une parole que nous connaissons toutes, tous dans Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23, verset 3, au nom de Jésus. Dieu restaure mon âme, Dieu me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, à l'école de guérison, Dieu va s'occuper à restaurer son âme, ton âme. Amen. Laisse-toi faire. Ne rechigne pas, ne pleure pas. Qu'importe ça pique. Dans l'école de prière, je vous ai déjà dit, quand tu prends de l'alcool, si tu mets sur ta peau et que ça pique, c'est que ta peau a été infectée. Mais si tu prends de l'alcool sur une peau saine, l'alcool rafraîchit. Si la parole de Dieu te pique, c'est qu'il y a encore... Comprenez ce que je vais dire? C'est-à-dire que c'est un peu infecté dans ton âme quelque part. Mais c'est pas parce que ça pique que tu ne vas plus continuer à mettre. Laisse. L'alcool va s'occuper à sécher là, l'infection. Et viendra, quand tu vas encore mettre de l'alcool, ça va te rafraîchir. Là, tu vas te comprendre. Ah, je suis délivrée là. Ah, même si je trouve grincheux en face de moi, ah, ça me rafraîchit. Et ton âme ici, elle est guérie. Même quand tu rentres chez toi, ton mariage va être guéri. Parce que la faute, c'est pas la faute de ton mari, c'est pas la faute de ta femme, c'est pas la tienne, ton voisin, c'est pas ta faute. C'est mon âme qui a besoin d'être soignée aujourd'hui. Amen. Nous allons nous lever, nous allons chanter ce chant. Parle à ton âme aujourd'hui, que ton esprit parle à ton âme. De prendre soin de notre âme aujourd'hui. Merci de restaurer notre âme aujourd'hui, Seigneur. Les larmes du Père versées pour toi.
cœur brisé, sa vie entière donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Viens l'adorer, éveille-toi.